You call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fuck. I don't relate to you. No, I don't. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city. Je suis de retour dans mon ancien appart, on a Sunny juste là qui est en train de bouffer. Alors là, je vais vous expliquer très vite fait, je vais juste poncer le mur et ensuite je vais peindre par-dessus. Parce que il y avait un trou et il a fallu que je rebouche et maintenant il faut que je ponce. Et ensuite il faudra que je peigne parce que le truc est gris au lieu de blanc. Bref, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est quand même relativement visible. Donc il faut que j'aille terminer ça et après pour le salon ce sera plutôt pas trop mal. And I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone anything bad. Bon, je pense que je pourrais pas faire mieux, mais de toute façon, l'ancien locataire il avait laissé le reste dans un état catastrophique. Donc, on va dire que j'ai fait mieux que lui. Il faut que je ponce encore ce mur et celui-là. J'en ai pas pour très longtemps parce que c'est que des petits trous, donc ça va le faire. 'Cause that shit's embarrassing. You were my everything. All that you did was make me fucking sad. So don't waste the time I don't have. Aujourd'hui, il y a un chef invité. Ça doit un peu aller pétache quand même. Mais j'ai vraiment hâte de le voir. The next day. Oh, and don't try to make me feel bad. I could talk about. Hello les amis, je suis à mon ancien appart. C'est l'avant-dernier jour avant le déménagement. On est jeudi, on déménage samedi. Je vous avoue que je suis un peu agacée parce que j'ai toujours pas d'assurance habitation alors que j'ai envoyé mon contrat il y a plus de 10 jours. Donc là j'ai appelé la MAE. Téléphone, impossible de les avoir. Ça coupe au bout de 8 minutes parce que personne n'est là pour... parce que tous les conseillers sont déjà au téléphone. Donc je viens de leur envoyer un mail, on va voir combien de temps ils vont mettre pour me répondre. Ça va être génial. Parce que ouais, du coup, normalement, c'est obligatoire d'avoir une assurance quand tu rentres dans le logement. Donc en fait, il aurait fallu que mon assurance, je l'ai avant le 1er septembre. Et là, ma propriétaire, bah, elle s'impatiente, ce qui est normal. Et voilà. Ici, ils veulent pas galérer avec les papiers. Je sais pas pourquoi ils nous font pas faire les démarches en ligne. Je comprends pas. Bref. Du coup, j'ai encore plein de choses à faire. Il faut que je repeigne ça, là, derrière moi. Ensuite, il faut que je fasse une couche de plus au mur de la chambre. Que j'essaie de nettoyer la porte de la salle de bain à l'intérieur, du coup. Je vais voir s'il y a d'autres trucs à faire dans l'immédiat. Il faut aussi que je nettoie la façade de la cuisine, la façade de la salle de bain. Les vitres, je les ferai demain. Que je sorte toutes les poubelles que j'ai faites. Que je sorte tous les trucs en verre qu'il faut que je jette. 5 minutes later. Eh ben les gars, la MAE vient de me rappeler à l'instant. La dame était adorable. Je suis ravie. Mon contrat est fait. En fait, ils avaient pas reçu ma lettre. Merci la poste, hein. J'ai mis 2 timbres, hein. 75 years later. Bon, bah écoutez, pour une fois, ça se voit pas trop, mais je suis en sueur à mort. Je viens de passer une 3e couche sur le mur et c'est toujours pas assez. Et en plus, j'ai fini ma peinture. Donc Flavien doit passer acheter de la peinture demain. Il faut qu'elle soit mate parce que là j'avais pris de la brillante. Et bien sûr les murs j'avais pas tilté mais ils sont mat. Donc demain soir je suis bonne à refaire une couche de peinture minimum. Peut-être 2. Du coup là je vais faire une petite pause une 20aine de minutes. Flavien là il doit être en train de terminer de signer les papiers pour son appart. Donc après il m'appellera en visio pour me faire visiter l'appart parce qu'en fait je l'ai pas vu. Et après je nettoierai les façades de la cuisine. Là voyez-vous, Sunny cherche à faire une bêtise. Il regarde comment pouvoir monter là-haut.
badou 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 badou. Mais t'as tout cassé! Ah bah t'es bien là sur le carton. Bon bah j'ai bien avancé dans le nettoyage cet après-midi. Ça c'est tout propre, ça c'est tout propre. Faut juste que je repasse un coup d'aspi dans le four parce qu'il y a genre des petites miettes, enfin bref. Les vitres j'ai pas eu le temps de les faire. J'ai fait la façade de la salle de bain. Qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de faire d'autre? Oui bah du coup j'ai plus de peinture donc j'ai pas pu faire mieux concernant la peinture. Ensuite je pense que l'arbre à chat de Sony... Il va aller à la déchetterie en même temps que le canapé, parce que le canapé, je sais plus, oui, je vous ai raconté que le canapé était tout pété par là. Bref, ça va être un samedi matin incroyable. Sinon, Flavien est rentré dans son appart, il m'a fait visiter en visio, c'était trop cool. Du coup, là, je viens d'aller jeter la plupart du verre, et là, il va être l'heure que je parte. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Down, I had a dream I was seven, climbing my way in the tree. J'ai profité de rentrer ici pour prendre un petit too good to go. Viens, Sony, tu dis bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a obtenu deux sandwichs. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh non, ça s'est cassé la gueule. Des gâteaux au chocolat. Oh, purée. Je vais en manger un ce midi. Ensuite, on a quoi? Je pense que c'est du pain. Super. Un pain aux figues. Ça, j'adore. Par contre, moi, j'avais pris dans une boulangerie pensant avoir des viennoiseries pour demain matin et du coup, il n'y en a pas. Donc, demain matin, on va manger des pains au lait sans rien. Ça va être génial. Du coup, c'est un too good to go à Maison Morane. On m'a vendu les mérites de leur pain et de leur viennoiserie, donc j'espère ne pas être déçue. Et c'est la première fois que je prends chez eux. Alors que c'est vraiment la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée à Montauban, on va prendre du pain chez Maison Morane. Donc, je vous donnerai des nouvelles de tout ça. Non mais matez-moi ce sandwich, il est énorme, et en plus dedans c'est que des trucs trop bons, genre du jambon, je crois que ça c'est de la figue, je pense qu'il y a du chèvre, et ça c'est de la salade, et l'autre il est jambon beurre je crois. Sandwich est archi validé, j'ai adoré, maintenant c'est l'heure du gâteau sans le chocolat dessus parce qu'il est resté collé à la poche. Bon j'ai enfin pris une décision concernant l'arbre à chat, je vais garder juste la partie hamac parce que c'est sa partie préférée, tout le reste je vais jeter. Donc demain matin il faudra aller à la déchetterie emmener le canapé et l'arbre à chat. Concernant le canapé, je vais garder les housses de coussin parce qu'elles sont déhoussables et je peux m'en servir pour la couture. Donc là il est 13h29, on est le vendredi 16, je sais plus si je l'ai dit en demandant la vidéo. On est le vendredi 16, il est 13h29 et il faudrait que je commence à m'y mettre. Flavien finit à 17h à Toulouse donc le temps qu'il revienne... On va compter une heure de plus avec les bouchons. Plus, il faut qu'il passe à Action et à Aldi acheter de la litière et de la peinture. Donc, on peut compter une demi-heure, trois quarts d'heure de plus. Donc, je pense qu'avant 18h30, 19h, il n'est pas là. Donc là, je vais essayer d'avancer au maximum du maximum. Je vais commencer par faire toute la vaisselle qui reste. Ça ne devrait pas prendre très longtemps, peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et sécher la vaisselle pour la mettre dans des trucs et garder juste ce qu'il nous faut pour ce soir et demain midi. Sachant que demain midi, je sais pas si on mange ici ou à Toulouse. Donc ça, on verra. Saw a piece of heaven waiting impatient for me. Down. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows. Nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. J'étais toute contente en train d'écouter de la musique, sauf que là, il y a une araignée dans la machine à popcorn. Je ne sais pas quoi faire.
Bon, je vous fais un petit aperçu de l'entrée. J'ai décidé d'optimiser l'espace. Ça va? Ah. Tu peux m'aider peut-être? Ah, d'accord, merci. Tout à l'heure, j'irai prendre un petit bain pour me rafraîchir parce que j'ai archi chaud et j'en peux plus. Je vais en profiter, ce sera mon dernier bain ici. Donc voilà, et ça c'est des tables IKEA que j'ai empilées et collées. Et elles vont partir, je pense, à la déchetterie parce que personne va acheter ça, clairement. Mais c'est dommage parce qu'elles sont quand même plutôt pratiques. Sales, mais plutôt pratiques. I was painting a picture. The picture was a painting of you and for a moment I thought you were here but then again it wasn't true. Ça va, on ne dérange pas? Non mais... Qui c'est qui t'a dit que tu pouvais aller là? Oui, toi, j'ai bien compris. Descends, allez. Non mais dis donc. Bien sûr, il reste une case vide, il faut qu'il aille absolument dans celle-là. 6 hours later. J'ai passé une énième couche de peinture sur ce mur, comme ça de visu ça a l'air ok, mais à la lumière du jour c'est horrible. And I was running far away, would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. And now take me home right.